Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfucking bird, ah Bonjour tout le monde et bienvenue à ce vidéo de TEW 2016. On est à Bash at the Beach 1998 ce soir! Uh, pay-per-view, deuxième pay-per-view de notre uh, playlist Let's Play. Uh, on, on connaît la carte, je l'ai répété la, la dernière fois, on va le répéter vite, vite. Hogan contre Savage pour le World Title. Scott Hall et le Géant contre Conan et Luger pour les ceintures par équipe. Booker T contre Brian Adams pour les ceintures Télé. Goldberg contre Scott Norton pour la ceinture des États-Unis. Chris Jericho contre Guerrera pour la ceinture Cruiserweight. Canyon contre Raven dans un hardcore match. Ultimo Dragon contre Eddie Guerrero, Chris Benoit contre Bret Hart, Kevin Nash contre Stevie Ray et DDP contre Saturn. Donc ce soir, Bash at the Beach, on va avancer. On va être à Sky Perfect au Japon et on sera sur Time Warner un peu partout dans le monde. On a des incidents. Un incident avec Jimmy Hart. Jimmy Hart a créé une atmosphère relaxe quand il a mis son barbecue. Dehors, il a fait cuisiner pour tout le monde, donc tout le monde du barbecue. Ben, merci Jimmy, ça a dû coûter cher parce qu'il y a une coupe de gros gaillards là, dans ce vestiaire-là. Une coupe de steak sur le barbecue certain. À moins qu'il soit cheap ou cheapette, Jimmy, pis c'était des hot dogs qu'il faisait, ça on sait pas. Ben merci tout de même, Jimmy, c'est bien gentil. On apprécie. On apprécie beaucoup. Euh, meeting. un medal plutôt. On va faire ça avec qui? Avec euh, Billy Kidman et... Mightonny. Pas d'effet. Euh, où est-ce qu'on va être ce soir? On va être... On est à New England. On va être en Nouvelle-Angleterre. Ben oui, pourquoi pas? On continue en Nouvelle-Angleterre. Alright. Euh, donc on va booker ça, ce show-là. Bash at the Beach 98. 5 combats de championnat ce soir. Ça promet. Donc je vais booker Bash at the Beach et on revient pour voir les résultats restés les nôtres. Alright, on est prêt pour notre pay-per-view. Bash at the Beach 1998 devant 28 000 personnes en Nouvelle-Angleterre. Là j'ai pensé après que c'est Bash at the Beach. On aurait dû faire ça en Floride ou en Californie. Mais écoutez, c'est pas grave. Euh, on est fait chaud pareil, on est en juillet. Hein? Il fait chaud partout! En pre-show, on a Ernest Miller contre Scott Steiner et Big Papa Pump va ouvrir le pre-show donner un petit, petit bonbon à la foule et il va l'emporter contre Ernest Miller avec le Frankensteiner en 7 minutes 36, ça donne un B- moins pour commencer le pre-show, c'est pas le meilleur match de pre-show ever Scott Steiner un B et Ernest Miller un D Par la suite, on a un match 4 contre 4, le dernier match de Piper on a un match du Ravens Flock, Kidman, Riggs, Hammer et Horace Boulder contre les vétérans de la WWF. Roddy Piper, Rick Martel, Ray Trailer et Jim Duggan. Et c'est les Faces qui vont gagner quand Rick Martel va faire abandonner Hammer avec son Boston Crab. Les meilleures performances dans le match. On a un C pour Piper, C moins pour Trailer et Martel et un C plus pour Billy Kidman. Donc, Billy Kidman, meilleure performance. Trailer improves ses performance skills, tout comme Kidman. Et Kidman improve aussi ses rumble skills. Donc, Kidman avec quelques vétérans comme ça, c'est bon pour lui et son développement. Ça me donne un C. Par la suite, on a un Four Corner Tag Team match entre Bulldog et Night Art contre les Faces of Fear, contre High Voltage, contre Orient Express. Euh, J'essaie de donner le plus de temps possible Aux gens qui sont pas sur la main card Et ça va se terminer euh, Ce match là Lorsque euh, l'ordre d'élimination était Les Orient Express en premier High Voltage après Et Bulldog et Night Dart Et les gagnants du match vont être les Faces of Fear Qui sont sur une séquence euh, Ils ont perdu un match euh, par count le Contre les number one contender Mais euh, sinon Ils sont en feu euh, Great performance of Meng Stood out comme bonne performance, on a un B pour Meng et un C pour Davy Boy Smith. Davy Boy Smith va improver ses performance skills et Kenny Kiosk ses skills techniques. Par la on a un match singles entre Hugh Morris contre Brad Armstrong. Et Hugh Morris va défaire Brad Armstrong vite en 4,59 avec un power bomb. Ça donne un C- à Morris et un D- à Armstrong. C'est moins au match. Par ça, on a un 6-man match. 6-man, c'est ça. 3 contre 3. Dans la division Cruiserweight, Chavo, Guerrero, Dean Malenko et Rey Mysterio contre le la Parka. Psycho 6 et Cyclope, et est cyclopé et c'est les Faces qui vont gagner quand euh, Rey Mysterio va défaire cyclopé avec son Springboard Hurricane Rana. B- pour Rey Mysterio, un C pour Malenko C pour Chavo. Et du côté des Heels, on a un D pour cyclopé qui égale le Psycho 6 dans la performance. Et on a un C pour la Parka. Psychosis va improve ses Rumble Skills. C'est plus. Et on ouvre le show. La main card avec le match 1 contre 1 entre Ultimo Dragon et Eddie Guerrero. Et euh, dans cette année, on commence le show avec un B. C'est un bon start pour le show. Je pensais que c'était probablement le meilleur match pour ouvrir. Euh, beaucoup d'action. Et euh, ça va. Euh, Ultimo Dragon va avoir la victoire avec le Dragon Sleeper. Le Sony Ono va montrer sur, euh, sur le, le Apron. Et là, l'arbitre va aller voir Ono. Pendant ce temps-là, Eddie est en train d'abandonner. Là, Ultimo Dragon va lâcher la prise pour aller voir Ono. Va pogner Ono par le collet. Et Eddie va faire le roll-up par en arrière, mettre les pieds dans les cordes. Et Eddie Guerrero va l'emporter comme ça avec un B. Euh, donc, ça donne un B pour Eddie, un B- moins pour Ultimo Dragon et un B pour le match. Donc, Eddie Guerrero qui réussit à l'emporter avec l'aide de Sonny Ono contre Ultimo Dragon. Bon opener! Par la suite, on a le match pour le titre de la télévision. Booker T contre Brian Adams. Et euh, le match va se terminer en 13 minutes 1. Euh, là, Booker T a eu bien de la misère avec Brian Adams, un gros bonhomme. Vraiment son plus gros challenge à date. Euh, mais Booker T va quand même réussir à défendre son titre. Euh, S'il fait sa, son, son, sa défense de titre numéro 2. Ça nous donne un C. Booker T. et Adams avaient une pretty good chemistry. Ça, fait que ça a amélioré notre match un peu. Ça donne un B- à Booker T. Sa meilleure performance depuis le début. Et un C- à Brian Adams. Donc Booker T, toujours le champion de la télévision. Par la suite, on a une promo de Bret Hart qui fait sa promo. Encore une fois, il va hyper le match contre Chris Benoit. On va dire que ça va être un bon match. Et c'est la dernière soirée de Piper à WCW et Bret Hart va lui montrer que Chris Benoit c'était un bon choix Mais que c'est Bret Hart qui va l'emporter C'est toujours The Best There Is, Best There Was, Best There Ever Will Be Ça donne un A la promo de Bret Hart Par la suite on a le match hardcore entre Canyon et Raven Et là ça va se battre de toutes les bords, là, ça va être très violent comme match et euh, finalement, le, le Raven's Flock va intervenir. Il va avoir Sick Boy, il va avoir Riggs qui vont arriver pour euh, attaquer Canyon. DDP va venir. DDP va s'occuper de Canyon et Riggs. Pendant ce temps-là, Saturn va arriver, il va prendre Canyon. Dead Valley Driver sur Canyon et euh, va euh, mettre Raven par-dessus Canyon. Et Raven va défaire Canyon avec l'aide du Raven's Flock et surtout de Saturn. Donc ça donne un B à Raven et un C à Canyon, un B moins pour le match. Raven qui improve ses flying et performance skills avec ça. Donc on a des bons plans pour Raven, ce qui soit un de nos gros euh, lutteurs pour la suite des choses euh, dans les années à venir. Donc bon, bon match, mais Raven a eu besoin de l'aide de Saturne pour l'emporter. Ça donne un B moins. Promo de Randy Savage par la suite. Un A+. Savage qui dit deux ans après que Hogan ait formé la NWO. Il dit aujourd'hui à Bash at the Beach que je vais remporter la ceinture heavyweight avec le Stinger dans mon coin. Il dit c'est sûr que Sting va être là pour me protéger, pour être sûr qu'il n'y ait personne de la NWO qui y intervienne. Ça donne un A+. Bonne promo de Randy Savage. Par la suite, on a le match euh, entre Chris Benoit et Bret Hart. Et le match, it was a poorly place technical uh, match. La était déjà rowdy, donc on n'aurait pas dû leur donner un. Parce que j'ai mis comme, euh, un, comme but du match de faire un technical masterclass. Les deux ils étaient bons pour faire ça. Par contre, on aurait peut-être dû mettre le Technical Masterclass avant, selon eux. Bon, ben On apprend nos erreurs. Ça nous donne quand même un match de 19-49. Et Chris Benoit va être prêt de battre Bret Hart dans beaucoup, beaucoup d'occasions. Euh, mais quand même, c'est Bret Hart qui va l'emporter contre Chris Benoit en 19 minutes 49 avec son Sharp Shooter. Ça donne un B. Un B pour Chris Benoit et un B pour Bret Hart. Malheureusement, à cause du fait qu'on est mal placé le match, sinon on aurait peut-être eu un A. Sûrement un A de Bret Hart et peut-être un B plus de Benoit. Et quand même, c'est un bon match. Bret Hart l'emporte et par la suite, Roddy Piper va venir sur le ring et Roddy Piper va lever la main de Bret Hart et de Chris Benoit. Et la foule va euh, applaudir. On sait que c'est la dernière soirée de Piper avec nous. Euh, donc la foule va euh, lui donner une belle ovation à lui et ainsi que Bret Hart et Benoit. Et là, Bret Hart, il est membre de la NWO, il agit pas trop trop en heal pour l'instant. Fait que on laisse ça de même. Un B. Je pensais que c'était bon de mettre un petit segment pour euh, dire bye, bye à Piper mais, euh, vu que c'est lui qui a comme instigé ce combat-là. Donc un B par la suite, on a le match pour la ceinture cruiserweight entre Juventude Guerra et Chris Jericho et le Jericho. Plusieurs fois, va penser à avoir la victoire, mais Juventude va toujours quérir de toute. Il va même réussir euh, le Lion Tamer. Il va réussir à se rendre aux cordes pendant le Lion Tamer. Le Jericho, il sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Finalement, il va aller sur la troisième corde pour faire un. Euh Descendre du coude ou un, un saut sur Juventus. Et là, Juventus va, va, va se lever, va pousser Jericho du poteau. Jericho va tomber sur les tapis à l'extérieur, va se faire mal aux jambes. Et euh, l'arbitre va compter euh, 7, 8, 9. Jericho va ouvrir un œil. Il, Il voit que l'arbitre compte, Il va refermer l'œil. Il va se laisser count out automatiquement. C'est donc dire que Juventus Guerra va gagner le match, mais va gagner le match par count out. Donc, Chris Jericho reste champion. Cruiserweight, on sait qu'il avait fait ça pour vrai euh, contre Juventude Guerrero d'ailleurs, je pense. Il fait exprès pour se laisser out parce qu'il ne trouvait plus le moyen pour le battre Juventus. Il voulait ne voulait pas abandonner. Ça donne un bémoin pour le match, un bon B En plus, il a fallu que je protège Jericho parce qu'il voulait ne voulait pas perdre. Donc, il a fallu que je, je le protège dans le match. Euh, C ⁇ pour Juventude, B-Jericho. Et bien sûr, la, la rivalité va continuer. Juventus gagne, mais Jericho reste champion, B-Par la suite, on a le match de DDP contre Saturne Et le match va être euh, quand, même, euh, quand même chaud, quand même vraiment disputé. Et là, DDP va manquer un Diamond Cutter. Et là, Saturn va prendre, de, va prendre DDP pour faire un Dead Valley Driver. Il va, il va tourner et... Euh, la, euh, il va accrocher l'arbitre finalement avec le pied de, de Page. Va deliver le Dead Valley Driver. Il va faire un pin, mais là il n'y a pas d'arbitre. Finalement, DDP va se, va se réveiller pendant que Saturn essaie de réveiller l'arbitre. Il va y aller pour un. Il, il va pré se préparer pour son Diamond Cutter. Mais là, Raven s'en vient sur la le, sur le banc du ring et là Raven va arriver avec une chaise, va frapper DDP. DDP va esquiver et c'est Saturn qui va manger la chaise dans le, dans le visage. Donc après ça, Diamond Dallas Page, Diamond cutter à Raven Et il va faire le pin sur Saturne De cette façon-là, DDP va battre Saturne Mais à cause d'une miscommunication Entre Saturne et Raven Tantôt, Saturne a donné la victoire à Raven Mais là, Raven n'a pas réussi À donner la victoire à Saturne Il s'est trompé, il a frappé le mauvais euh, Ça donne un... Saturne était off ce game malheureusement Ça aurait pu être le plus gros match Pour lui de sa carrière là, contre DDP dans un pay-per-view. B, à DDP, C à Saturn. DDP qui va improve ses euh, performance skills. Ça nous donne un bon B. la Goldberg qui fait son entrée, comme d'habitude. Le garde de sécurité qui cogne. Goldberg qui s'en va au ring. La foule aime ça. Et dans le match pour la ceinture des États-Unis, ça va être un match chaud, mais quand même, c'est pas Scott Norton là, qui va donner la première défaite à Goldberg. Goldberg va l'emporter en 10 minutes 56 avec son Jack Hammer. Au moins, ça y est après un Jack Hammer. Il n'a pas gagné avec un Spear. Goldberg. Scott Norton a kick-out du spear et il a fallu que Goldberg y aille pour un Jack Hammer. Défense numéro 6 du titre des États-Unis, heavyweight. Goldberg était off his game malheureusement. Le match a souffert parce qu'il n'y avait pas assez de selling. Ouais, avec Goldberg contre Norton, probablement. Ça donne quand même un A à Goldberg et un C-Scott Norton. Et un B. Pour le match. Donc Goldberg toujours champion. Hulk Hogan, Hollywood Hogan va faire sa promo pour le match contre Savage. Je vais dire que c'est vrai, Savage. T'as Sting dans ton coin, mais moi j'ai le disciple. Il y a personne de plus dangereux que le disciple. Puis j'ai pas besoin de personne de toute façon. C'est moi qui va l'emporter. Et euh, je sais que le ref euh, Nick Patrick va faire une bonne job pour ce match-là, en plus la promo de Hogan. Après ça, on a le match, un singles match de Kevin Nash contre Stevie Ray. Stevie Ray va donner une bonne performance, mais euh, pas assez pour bien sûr défaire Big Sexy. Kevin Nash va l'emporter en 11 minutes 39 avec son jackknife Power Bomb. Ça nous donne un B, euh, un B ⁇ pour Kevin, euh, pour Kevin Nash, un C pour Stevie Ray. Pas assez de selling. Et Stevie Ray va improve ses performance skills avec ce match-là. Donc, c'est bon pour lui d'avoir affronté Kevin Nash, mais il est quand même à 39 ans, je pense, Stevie Ray, à ce moment-là. C'est sûr qu'il en reste moins qu'il en restait. Et euh, grosse victoire pour Kevin Nash qui fait payer le prix à Stevie Ray de l'avoir attaqué le mois passé au Great American Bash. Par la suite, on a Luger et Conan qui vont prendre le micro avant leur match contre euh, all the Giants pour les ceintures par équipe. Ils vont faire une petite promo pour dire qu'ils sont en feu depuis euh, un mois qu'ils sont euh, qu officiellement en équipe. Et c'est ce soir que euh, cette belle aventure se continue. Et c'est ce soir qu'ils vont prendre possession et euh, des titres par équipe et de venger Sting et Kevin Nash. Ça donne un bon A! Et après ça, c'est l'entrée de Scott Hall et du Giant par la suite qui vont faire une, une grosse entrée. Pour hyper le match, ça nous donne un petit A pour l'entrée. Et oh, un A. C'est probablement notre meilleur match jusqu'à maintenant. Ça nous donne un bon match, une note de A. L'ex-Luger et Conan qui ont montré une excellente chimie. Euh, ce qui va se passer, c'est que l'ex-Luger et Conan contre All the Giants, ça va être un gros match très 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 serré. Et il n'y aura même il y aura pas d'intervention de, de... dehors. Ça va se terminer clean ce match-là. Euh, lorsque euh, le Giant... Va faire un choke slam à Conan et va y aller pour le compte de 3. Pendant ce match-là, on a l'ex-Luger qui a fait un body slam au Giant. Et là, la foule a été en délire après ça. Et on a aussi euh, Scott Hall qui a euh, quand même réussi à, à être embarqué dans le rec à torture et de ne pas abandonner. Et ça donne la victoire à la NW Hollywood. Un gros match. Gros match de A. B- pour Conan, B pour Luger, C pour le Giant et B pour Scott Hall. Donc c'est peut-être pas la fin de Luger et Conan en équipe, mais c'est sûr qu'il fallait donner une défense de titre là, au moins à Scantor et aux géants, qui sont d'ailleurs jusqu'à maintenant, euh, après le, les six premiers mois, l'équipe de l'année. Dans tout le monde de la lutte, selon les notes. Euh, selon les différentes euh, personnes qui votaient. Là. Ça donne un A. Hogan qui fait son entrée par la suite. Une grosse entrée. Sous la guitare de Monsieur Jimi Hendrix, nul autre que lui, Hogan et le disciple font leur entrée. Un A ⁇ toujours beau de voir Hogan faire son entrée. Et le main event va nous donner un B, euh, tout simplement on ne pas avoir plus que ça, parce qu'il y a eu bien des affaires qui sont passées. Euh, finalement, ce qui va se passer, c'est que le disciple va essayer d'intervenir, mais le sting est là. Avec le sting, il va réussir à... Euh, Empêcher le euh, disciple d'interférer. Il va y en donner tout à l'extérieur du ring. Et là, Hogan va essayer de tricher. Coup de pied dans les, dans les couilles quand l'arbitre ne regardait pas. Et là, il va, il va y aller pour le pin. Et là, euh, Randy Savage va quand même, quand même réussir à dégager. Là, tout le monde de la NWO va arriver. Vincent va arriver avec euh, Scott Norton. Brian Adams. Justin euh, va être pogné. Là, Wolfpack est en, est en train d'attaquer. Tout le monde va être là. Gros, 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 gros KO. Et Scott Steiner va arriver de l'autre côté de la foule. Scott Steiner va donner un coup de lead pipe dans le dos à Savage. Hogan va terminer ça avec la descente de la jambe et. Nick Patrick pendant le match a aussi, il faut aussi dire que Nick Patrick a refusé de, de, de faire count Hogan. Et là, Hogan était en tabarnouche, a pogné Nick Patrick par le collet, mais Nick Patrick a dit écoute là, il avait dit écoute c'est ma job, là, je peux pas, je peux pas. Fait que mais Hogan a réussi quand même à gagner avec la tricherie. Euh, en 1943, Scott Steiner qui fait donc la différence, qui est arrivé de l'autre côté, attaqué Savage dans le dos. Ça donne un B pour le main event. Ça donne un A à Savage, un B plus à Hollywood. Hogan, j'ai des plans pour euh, Hogan et Savage et la ceinture heavyweight. Mais Hogan qui réussit encore une fois à cause de sa bande de NWO de. Préserver la ceinture. On termine ça avec un B. Ça nous donne un B pour Bash at the Beach. Probablement que si on n'aurait pas eu à faire des choix comme ça pour le mini-event et Benoît contre, euh, Benoît contre Bret Hart, on aurait probablement pu avoir un A. Ça nous donne quand même euh, un B et on va monter notre popularité dans 36 régions. Donc on va féliciter pour ce pay-per-view-là euh, au moins, disons, Scott Hall et euh, Luger, probablement. Et qui d'autre? Euh, Bret Hart. On va leur dire qu'ils ont fait des bonnes performances. Merci, messieurs. Et donc, c'était Bash at the Beach. Semaine passée. Ou hier, plutôt. Kurt Enig, qui fait son retour à la compagnie. Rudy Piper, qui lui quitte la WCW. Donc, bye-bye, Piper. reviens bienvenue Kurt Eign, membre de la NWO Hollywood, upper midgarter pour Kurt and Egg. Alright, ben merci beaucoup d'avoir été là et on va se revoir dans la prochaine vidéo. Euh, donc tout le monde a gardé leur titre, euh, c'est ça. Ben, de Guerra a battu Chris Jericho, mais par count-out. Sinon, Goldberg a gardé son titre. Booker T a gardé son titre. Les Chamberlain équipe ont gardé leur titre. Et Hollywood Hogan a gardé son titre. Donc, il n'y a pas de ceinture qui a changé. Le prochain pay-per-view, c'est Road Wild à la deuxième semaine du mois de août. Et j'ai un gros plan pour ce pay-per-view-là. Donc, on va mettre fin aux vidéos ce soir. Merci d'avoir été là pour Bash at the Beach. Prochaine vidéo, on va commencer le premier Nitro. Et ben c'est ça. Merci et on se voit pour Nitro dans la prochaine vidéo. Bonne soirée tout le monde.